Yo Vando, j'ai vu cette intro. Donc vous savez qu'on est dans les jeux random avec Top Wearing Objective. Aujourd'hui les jeux random s'attaquent à une licence de 99. La dernière fois on avait fait sur Heli Heroes de la même firme en 2002, mais là c'est encore plus vieux. Laissez-moi vous présenter, grâce à cette petite animation de génie, avec un G, d'originalité, avec un O, de Ragdoll, avec un L, de Kiwi, avec un K, et du Yamate Kule, avec un Y. Gorky 17. Oh là 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 là, légende. Donc Gorky 17, qu'est-ce que c'est? Un jeu édité en 1999. Là on est presque dans le jeu rétro que dans le jeu random, mais il est random parce qu'il est dans ma bibliothèque et on sait pas vraiment pourquoi il est là. Ça se passe dans un espèce de truc démoniaque. On va faire un nouveau jeu. Oula. Oula là. Ouais. Alors, est-ce que c'est possible que ça bug un petit peu? Je pense qu'à la base c'était une cinématique. Ou putain. Alors, je veux bien qu'il soit vieux, mais là j'ai un petit problème quand même de... Il manque pas quelques trucs là. Mais là, un peu étrange. Ouais, je vais redémarrer le jeu, on sait jamais. Ok, j'ai rechargé la cinématique, mais du coup, il y a quand même un problème. C'est qu'il y a le menu qui est resté affiché devant. Bon, ce jeu a des problèmes, hein, dans tous les cas. Ce jeu a des problèmes. Il y a qu'il mouche derrière. Des hélicoptères, de toute façon, c'est buggé. C'est ceux qu'ils ont dû réutiliser 3 ans plus tard dans Heli Heroes. Ah, et ce jeu a quand même des gros problèmes de décal, là. Bon, au moins, on voit un espèce d'environnement potable, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Il y a un peu d'aliasing. Pourquoi on est ici? Le Gorky 17? Thierry Trangine. Si. Cole Sullivan. Je dis juste les noms à chaque fois. Ok, tout le monde a expulsé. Personne ne sait pourquoi on s'occupe. Parce que c'est un jeu random. Ça, c'est une ville, ça? La variole. General Gordon Lamar, chief of this operation, has information that whatever happened at Gorky 17 is happening here. Circonflexe. Unfortunately, his first strike team was unable to confirm this. We've lost contact with them. Where do we fit in? Our orders are simple. First, find any remaining members of group. Second, Lamar's informant described a laboratory. Bon, ce dieu va sûrement durer 5 minutes, donc on n'aura pas le temps de faire tout ça. On va trouver et protéger quelque chose. C'est très clair. Allez, on y va. Donc, ce jeu, qu'est-ce que c'est? Bon, alors, déjà, on voit à peu près le... Oh putain. Bon, ok, de ce que j'ai vu, il y a un problème... On sait pas trop ce que c'est. Apparemment, il y a une bestiole à gauche. Ok, bon, ok. Donc, ça a l'air d'être un jeu un peu les RPG de l'époque. Hein, RPG PC. Tour par tour. Ça me fait penser un peu à Dofus. Je vois pas trop bien les ennemis, mais on peut les deviner ici. Donc on a quoi? On a des points, données, inventaire. Qu'est-ce qu'on a en inventaire? On a des flingues. Ok, expérience. Donc ça a l'air d'être plutôt pas mal. Bon, mais c'est vieux, hein, il faut prendre en compte. La dernière fois, j'ai pas trop pris en compte pour les roses. Donc, par exemple, si je fais ça. Donc là, là, il n'y a pas d'ennemis. Ok. Donc là, on peut... Alors, le mec ne sait pas tirer en diagonale. Hein. C'est-à-dire que c'était trop compliqué pour les développeurs. Ok, par contre, voilà, fais gaffe, je veux changer d'arme, munition, ok, baïonnette, et fusil, qu'est-ce qu'il dit fusil? Est-ce que... Alors là, il s'est tiré en diagonale, mais est-ce qu'il s'est tiré là? Hors de portée. Ah, et si tu te déplaçais, c'est possible? Genre, bon, on va essayer avec le flingue, on va peut-être pas utiliser des munitions de... Voilà, là, tu touches, là? 5 de dégâts? Ok, pourquoi pas, donc lui, il a fini son tour, on va le mettre en retrait. Donc, est-ce que je peux changer de personnage? Oui, je peux. Oula, c'est dégueulasse. On va se mettre là. On va mettre un petit coup de fusil d'assaut. Est-ce qu'il a un fusil d'assaut, lui? Oui, là aussi.
Mais est-ce que je peux toucher les deux par hasard? Non, hors de portée. Donc attends, on va faire bouger un petit peu. Voilà. Si je tire avec ça maintenant. Hors de portée quand même. Okay. Donc là, vas-y, on va voir ce que ça donne. 9 de dégâts. Oh, ça saigne et tout. Bon, on les voit pas, mais. Ok, tir étrangine, viens ici. Ok, tu peux pas bouger plus que ça. Tu peux donner des coups de poing, oui. Ok. Alors moi j'aurais bien voulu tester. Nourriture, pansement, d'accord. Par hasard, est-ce que tu touches ici un truc là? Ah, là il y en a un. C'est pas vraiment ce qu'il fout là. Hors de portée, très bien. Bah lui il va rien faire du coup. Tour en cours, finir le tour. Tour de l'ennemi. Alors qu'est-ce qui se passe dans le tour de l'ennemi donc? Ah oui! Ah d'accord! Oh putain! Heureusement que le jeu est mal fait parce que là je crois qu'ils auraient dû censurer. Ok, donc il y en a qu'un. Ou il y en a un autre là? Non, il est tout seul. Hein. Ok. Donc là par exemple, admettons. Non, alors avec lui plutôt. C'est qui se fait mordre les couilles? Ouais, c'est lui. Donc je lui donne un petit coup de couteau. Petit coup de couteau. 5 de dégâts. Ok, d'accord. Imaginons. On prend lui maintenant. Si je tire. Ça touche ou pas là? Merde! Oh, j'ai déboîte le pote! Oh, Jarek! Ah merde, je savais pas qu'il y avait le tir allié. Oh putain. Ok. Ah attends. Bouge pas toi, je vais te maîtriser la gueule. Hors de portée? Mais il est à côté. Ah voilà. Merde. Ouh là, bien arrache. 6 points de vie lui reste. Qui c'est qui reste? Ah, y'a personne. On va se faire croquer. Tour de l'ennemi. Oh. Prends cher. Oh, il se fuit. L'enfoiré, tu vas pas fuir comme ça, mon coco. Je vais mettre de vie, hein. Regarde, hop, tac. Bon, bah, au moins, on a pu voir l'essence du gameplay. Il y a une ambiance, il y a une certaine ambiance, même si c'est tout buggé. Je sais pas si c'est peut-être l'ordi est trop récent. On dirait que c'est un pâte à modeler un peu quand même. Oh, putain, ce zoom de folie. C'était Leif Sorens. Bon, très bien. Bon, moi je veux juste un dernier combat. Je veux voir si on peut tuer son pote ou lui mettre des pansements. Captain, c'est pire que ce que je suis. Attends, Jarek. Jarek, toi tu fais chier. Tu fais chier, je te dis. Bon. Alors. Pour la peine, tu vas manger de la nourriture. Oh, c'est quoi? Allumette? Tu veux faire quoi avec ça? Oh, attendez. Est-ce qu'on peut cramer son pote? En mode de bâtard. On va regarder ça tout de suite. Ah, il a pas d'allumette, lui? Merde. Oh, putain, la souris. Ah, il a pas l'allumette. Ah, mais tu fais chier, toi. Bande adhésive. Je peux la scotcher? Ah non, je veux pas le soigner. Genre, le mec qui prend du scotch, ça le soigne. Ok. Attends, moi je veux voir si on peut. Arrache, il casse tes couilles depuis tout à l'heure, il parle. Ah oui, d'accord, très violent. Oui, je sais, c'est complètement what the fuck, mais bon, autant tester, il m'a cassé les couilles. Voilà, donc toi, allumette par exemple, tu peux jouer comme ça. Hors de portée. Ça fait quoi si je fais ça? D'accord, tu jettes une allumette. Pas trop bien compris ce qui se passait. Ton pote il est un peu loin, on va faire en sorte que tu puisses te rapprocher. Croquer. Non, lui il est gentil. Bon, ce jeu est trop bugué, j'espère que vous avez passé un agréable moment. La vidéo se terminera quand j'en aurai envie, donc dans pas trop longtemps. Vous avez pu voir ce qu'était Gorky 17, un jeu de qualité, tout le monde se fait manger, attention. Tellement manger que, bon bah lui de toute façon il a beaucoup trop de vie, hein. Ça ne sert à rien, c'est même plus rigolo. Vous voyez, on le voit même plus le personnage, tellement il est pas gentil. C'est très triste. C'est très très triste, personne ne sait où il est. Hop, Jarek. Voilà, hein, compétence. Donc on peut pex sur ses amis, d'après ce que j'ai vu. Ce qui est plutôt quelque chose d'efficace, hein, il faut le dire. On va finir sur ce tour, hein. De toute façon, voilà, ça n'a plus de sens. Vous êtes en train de demander si je suis pas complètement un psychopathe, mais ça fait partie de mes pseudos. On m'appelait à une certaine époque le psychomate, attention, hein. Un gros pseudo. Donc là, double croquage de jambes, hein. Et lui, évidemment, c'est lui qui se fait le plus arrache, hein.
C'est lui qui bouffe sa race, hein. Ça veut rien dire, hein. Bon, sur ce, ben, si vous avez aimé, vous pouvez like, hein, comme un grand. Si vous avez pas aimé, dites-moi pourquoi. Alors certes, c'était pas très intéressant, je comprends. Je trouvais ça quand même rigolo de tuer son pote, même si ça fait très psychopathe sur les bords. Voilà, c'était la petite vidéo du moment. Voilà, le petit jeu random, Gorky 17, les années 90 nous auront laissé des mystères. Raté, voilà, pour finir ce raté, on laisse le tour. Et sur ce bouffage de jambes intersidérale et intersidérée. Voilà, finalement c'est lui qui prend plus tarot, hein. C'est plus rigolo. Est-ce qu'il va prendre deuxième fois tarot? Ah oui, il prend vraiment tarot. C'est juste énorme. Ah bon, allez, je vous laisse, à plus, à la prochaine.